Aïe, 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 aujourd'hui, nuit blanche, et ça bon fait du bien. Là, les drainages, je rigole, les drainages aux jambes, là. Mm-mm. Quand c'était au niveau des bras, j'ai moins rigolé, dis donc. T'entends les mains, hein. Ouais, beaucoup moins, t'as vu ça? Mais obligé, on continue pour avoir une belle peau, pour bien recoller. C'est jusqu'à combien de mois qu'on peut continuer les jambes? Que ça aide? Là, l'idéal, ce serait d'en faire... Bon, alors, toi, du coup, on a les bras, donc c'est même pas un sujet. Mais si jamais on avait été en post-op normal pour tes jambes, une fois tous les mois, ça aurait été sympa de faire une séance, tu vois, après, pour bien t'aider à recoller, s'il y a des œdèmes qui reviennent, pour les douleurs. Et puis même, au niveau des jambes, après, on peut reprendre Renata un peu ou pas du tout? Exactement. Pour les cuisses? Ouais, Renata simple ou un peu de madérothérapie, si jamais... On veut attaquer un petit peu de cellulite ou d'aspérité sur la jambe. Non mais oh, j'ai pas de cellulite.